peu de jouer maintenant, Blazkowicz. On va se mettre en position au sommet de la tour radio, à environ 7 rues de là où tu es. Tu vas devoir accéder au dernier étage de Nautica et ouvrir les portes du hangar pour me laisser entrer, moi et les autres pilotes. Sous les yeux. T'as encore du chemin à parcourir.
à la zone de maintenance. Cherche une porte sur la paroi externe au sommet du dôme. À la zone de maintenance. Il est dans le champ d'étoiles, près du sommet du dôme. Tu peux essayer de l'atteindre ? Qui mène à la cage d'ascenseur.
endommagée par l'explosion. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'explosion. Ascenseur. Je ferais mieux de me mettre sur le contrepoids. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens artefacts, anciens mais d'une technologie avancée. Des parchemins, on dirait de l'hébreu. Les nazis doivent essayer de comprendre comment fonctionnent ces trucs. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial ? Date, Yishud, Delta Alpha apostrophe. Alpha, Tango, Espace Yankee, India, Charlie Hotel, Uniforme Delta. Vous trouverez peut-être des choses en relation avec ça dans nos archives, Alia. Essayez de chercher des références à Dat Yishuv. D'accord, très bien. Soyez prudents surtout. Je l'apprécie, Blaskovitz. Excellente trouvaille. Pense à nous rapporter le maximum de choses que tu trouveras sur ce Dat Yishuv. D'accord.
par des boucliers anti-explosion. Tu vas devoir trouver une autre issue. Je vois un petit réseau de plomberie derrière la paroi nord. Il devrait y avoir un accès près du sol. Cherche bien. Environ deux étages au-dessus, il y a un accès qui conduit directement au hangar. C'est dans le hangar que sont entreposés les prototypes du projet Murmure.
commande à l'étage supérieur. Tu pourras ouvrir le hangar depuis cette pièce. À l'atterrissage si tu veux rester en vie. La Covid, dépêche-toi d'aider Caroline à s'installer aux commandes du dernier hélicoptère. T'as fait pour survivre? Je te croyais morte. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle avoir connu Hans Gross. Et d'avoir filé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. C'était épouvantable, comme si mes entrailles me sortaient par la colonne vertébrale. J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de 3 jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital. On me plantait toutes sortes de tubes dans les veines. Une infection, ce sont des choses dont je préfère ne pas me rappeler. Je suis désolée pour tes jambes. Mais non, j'ai appris à voler.
bon, tu as fini de rouspéter? Voici notre nouvelle priorité. Que sont les dates Yeshud? Comment peut-on les contacter? Anya, que savons-nous? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Anya, vous allez mener les recherches. Blaskowitz, tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin. Ya? William, j'ai besoin de toi. Tu peux venir voir une seconde? J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton? Oui. Tout, même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurai besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dat Yeshud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier, entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi? Ce sera tout. Tu peux y aller.